Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui un nouveau tutoriel. Alors, je vais vous présenter ma boîte, mon calendrier d'avant. Je vais vous le présenter vu du sol parce que c'est tellement grand quand ça explose que vous allez comprendre que je suis obligée de vous le filmer en première fois comme ça pour vous montrer. Et les détails, je vais revenir dessus avec la caméra plus près. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter ma boîte qui explose. Donc, c'est un calendrier de l'Avent, vous avez compris, qui va faire waouh. C'est un mélange de... C'est un mélange de boîte à explosion et de Tower Box. Alors, hop. Voilà. Je vais essayer de vous la remettre. Voilà, de façon que vous puissiez quand même voir tout. Donc, c'est le principe d'une boîte à explosion. Sur chaque côté, il y a 6 petites cases. On va revenir dessus après. Hein. Je vais vous la remonter en plus. Voilà. Là, sur chaque côté, on peut remonter les petites cartes pour pas que ça fasse trop plat. Comme ceci. Pareil, je vais vous remonter le système dans 30 secondes. Et au centre, vous avez le cadeau du 25. Le 25, il vous suffit d'ouvrir, de prendre les deux petites languettes, de venir, on tourne légèrement, on ouvre, et là, on a le cadeau au centre. Le petit cadeau, vous pouvez y mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Petit sachet, vraiment ce que vous voulez. Le tuto, je l'ai fait de façon que vous puissiez soit faire que les côtés qui explosent et mettre un joli truc au centre, genre un beau sapin avec un tout petit cadeau, pour dire il y a le petit cadeau en 25, ou en mode Tower Box. Je vais vous remontrer tout de suite, de plus près, ce que ça donne. Mais j'étais obligée de le faire en fond, de façon que vous puissiez voir le principe de la boîte. Donc, je vous remontre tout de suite ça au plus près. Donc, chaque... on va commencer par les côtés. Chaque boîte, quand elle descend, vous avez de chaque côté 6 petits tiroirs dans laquelle vous pouvez mettre les petites surprises. D'accord ? Quand il est positionné, bien sûr, on ouvre comme ceci. Devant chaque petit tiroir, moi j'ai mis les petits jours pour le 1, le 2, le 3, le 4, pour que vous sachiez quel jour ouvrir. D'accord? Donc on fait ça, on fait la même chose de chaque côté. Donc on l'expose bien, on ouvre les quatre petits volets. Ça fait une jolie décoration. Et au fil du jour, clac, 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 on ouvre notre petit, encore un là, c'est tenu par des aimants, parce que c'est une carte, voilà, on ouvre notre petite chose, d'accord? Ensuite, le 25 décembre, donc moi j'ai utilisé, j'ai fait quatre fois, chaque fois pareil. Le 25 décembre, soit vous n'en mettez pas dans votre calendrier de l'Avent. Moi, je suis en train de m'apercevoir que mon boîte n'est pas tout à fait centrée. Soit vous mettez un cadeau. Alors, moi, je lui ai mis un cadeau. Mais vous pouvez mettre aussi un sapin avec des petites décos et un tout petit cube fait maison avec un petit cadeau et un petit chocolat dedans, vu qu'il va avoir plein de cadeaux. On est d'accord, votre enfant? Donc, ou vous-même. Mais voilà, vous pouvez le faire comme ça ou vous pouvez faire le principe de la Tower Box. Alors, la Tower Box, ce sont une enfilade de plusieurs boîtes, dont une sur deux qui explose. Là, pour le coup, j'en ai fait qu'une qui explose, parce que je voulais pas que ça monte trop haut. Ça peut être aussi le principe d'un centre de table. Hein. Donc, pour que ce soit plus facile, moi, je lui ai mis des petites anses. Et voilà, ça s'ouvre comme ça. Et là, une boîte qui se ferme avec le cadeau à l'intérieur. Tout simplement. Voilà. Le principe est que, voyez, on l'ouvre, elle descend comme ceci. Pour la sortir, hop, un quart de tour, il y a des languettes, il y a un ressort, hop,
ressort maison, bien sûr, vous allez voir. Vous allez dire, oulala, mon Dieu, c'est compliqué. Non, non, vous allez voir, c'est tout simple à faire. Et franchement, ça se fait tout seul. Voilà. Donc, mon tutoriel, on va faire étape par étape. Vous allez voir. C'est un seul où moi, j'ai enregistré par plusieurs fois parce que c'est cette boîte-là que je vous montre comment on fait. Voilà. Donc là, vous la voyez au début de la vidéo complètement finie. Donc, pour la ranger, c'est tout simple. Hop. Il suffit de la fermer comme une boîte à explosion. Voilà. Et le dessus, j'ai simplement utilisé du ruban de velours. Hein, et pour pouvoir monter en gros, pour pas que ça s'aplatisse, j'ai collé du papier à l'intérieur, tout simplement. Voilà. Et du coup, ça donne ça. Je n'ai volontairement pas décoré les côtés. C'est volontaire vu qu'elle s'ouvre la boîte. Ça fait un joli cadeau, en fait. Tout simplement. Donc, on va monter cette boîte gentiment, mais sûrement. Sachez qu'il y a un PDF. Et je vais certainement vous le mettre soit dans la vidéo, mais si je ne le mets pas dans la vidéo et que vous n'avez pas le temps de tout noter, je pense que je vais vous mettre les listes du matériel juste derrière. Mais si vous n'avez pas le temps de tout noter, pas de panique, vous retrouverez le PDF sur le groupe L'amour du scrap à prendre avec plaisir. Je vous dis à tout de suite pour le montage. Alors, on passe à la réalisation. Pour réaliser ce calendrier de l'Avent, on va commencer par l'étape boîte d'allumettes. Donc, c'est l'étape importante. Donc, pour réaliser ces boîtes d'allumettes, pour faire le tour, ce morceau-là, qui fait 6,70 par 16,30, c'est ce qui va faire le tour de notre boîte d'allumettes, le contour. J'ai utilisé, parce que moi, je les ai faites, hein, je coupe toute la feuille à 16,30, et ensuite, je fais mes plis. Et ensuite, je coupe à 6,70. Donc, il me faut 4 feuilles à 4 pour faire les 24 petites boîtes. D'accord? Pour faire ce morceau-là. Donc, un coup que vous avez fait vos 24 morceaux de 6,70 par 16,30. D'accord? On va faire un premier pli à 2 cm. On va faire un deuxième pli à 7,1. Un troisième pli à 9,2 et un quatrième pli à 14,3. Je répète, 6,70 par 16,30. J'ai utilisé 4 feuilles à 4 pour faire mes 24 feuilles. D'accord? Pour faire mes 24 morceaux. Sur la longueur, donc sur les 16,30, j'ai fait un pli à 2 cm, 7,1. 9,2, 14,3. Rien de plus compliqué. Rien de plus simple, pardon. Et là, je vais venir en coller la dernière languette sur la première languette. Tout simplement. Et je répète ça 24 fois. D'accord? Pour faire le tiroir de notre boîte. Vous voyez, ça, c'est très facile à faire. Il faut faire 24 petites 24 tiroirs. D'accord? Donc, pour un tiroir, ça fait un morceau de 10,5 par 9 cm avec un pli de 2 cm sur chaque côté. Pour utiliser les pour faire 24 tiroirs, moi j'ai utilisé pour un gain de temps, que je vous dise pas de bêtises, pour faire plusieurs tiroirs dans une feuille à 4, donc je prends ma feuille, je la coupe à 10,5 et je la coupe tous les 9. Il y a 6 tiroirs par feuille, donc 6 fois 4, 24. Il me faut 4 feuilles à 4 pour le faire. Donc, il fait 9 par 10,5. Je fais un pli à 2 cm sur chaque côté. Là, jusque-là, rien de bien compliqué. Parce que ça, on sait faire, hein, de marquer les plis à 2 cm de chaque côté.
Je viens couper sur la longueur, hein, je fais. Je viens couper sur le pli à ce niveau-là. Et ma petite languette. Et je coupe en biseau légèrement. Comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je prends mes morceaux de 10,5 par 9. Je fais un pli à 2 cm de chaque côté, au bas, droite, gauche. Je viens marquer mes plis. Je coupe mes languettes comme ceci sur les quatre bouts. Et je monte, tout simplement. Alors, pour monter, c'est pas compliqué. Hop, je mets de la colle à l'intérieur de ma languette. Et je viens la coller par l'extérieur. C'est pour que ça tienne mieux. Hein. C'est pour ça que je le colle vers l'extérieur, moi. Et je me mets bien dans le pli, je colle, tout simplement. Je fais ça sur chaque languette. Et vous voyez, j'ai monté mon tiroir. Et je fais ça avec mes 24 tiroirs. Et voilà, mes 24 tiroirs sont faits. Moi, j'ai fait les 24, j'en avais fait 23 auparavant, et il m'en restait plus qu'une à faire en montage, de façon à aller plus vite, vous n'alliez pas attendre que j'ai fait 24 fois la même chose, hein. On les met de côté. On va prendre. Alors, je m'étais dit, ça, on va prendre une feuille à 4. Donc vous ferez 4 fois la même chose, d'accord. Vous allez venir la couper à 13,5. Jusque là, rien de compliqué, d'accord. 13,5. Vous allez faire dans l'autre sens, un premier pli à 3 cm. Ensuite, un pli à 2,2 mm. Donc, ça fait 5,2. Donc, deux plus loin. Donc, un pli à 3 cm. Un pli à 5,3. Ensuite, un pli à 21. Si je ne suis pas à plat, ça ne peut pas le faire. Ensuite, un pli à 23,2. Et je coupe à 26. Donc, je prends ma feuille A4, je la coupe à 13,5 dans le sens sur les 21, d'accord. Ensuite, je fais un premier pli, je vous le dis en même temps, à 3 cm, d'accord, à 5,3, à 21, à 23,3, ou 2, selon que vous voulez, mais bon, 2 suffirait, et à... On coupe à 26 cm. Ça, vous le faites 4 fois. Ensuite, vous marquez les plis comme ceci.
D'accord, on va obtenir cela. Je rouvre, je me mets, j'ouvre et je mets mes deux extrémités sur le côté. Je vais venir placer, je ne les colle pas pour l'instant, c'est juste pour vous montrer. Je vais venir placer 6 boîtes, comme ceci, sur mon papier. D'accord? Et on va les coller comme ça. On va les coller à ce morceau de feuille. D'accord? Donc, je pousse chaque boîte. Donc, ce que je fais... Je mets de la colle au dos. Je veux bien me mettre à ras du pli, à ras de la découpe. Et je colle. Et je fais ça avec mes 6 boîtes. Donc là, vu que je vais coller 2 boîtes ensemble, hop. Je m'assure que tout est bien droit. Alors, je ne remets pas tout de suite les tiroirs, hein, c'est volontaire. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous allez voir, il y a plein de techniques dans ce calendrier de l'Avent. C'est pas un compliqué, mais c'est pas un des plus faciles non plus. Voilà. Donc celui-ci, c'est un matin, j'avais envie de faire un calendrier de l'Avent un peu différent de ce qu'on voit. Et surtout en utilisant des techniques qu'on avait déjà utilisées. Je trouvais ça sympa. Et en alliant plusieurs trucs que j'avais vus sur des tutos, je trouvais ça sympa. Donc voilà. Donc je colle mes 6. Hein, et je fais ça 4 fois, donc sur les 4 feuilles. Je fais ça 4 fois avec mes 4 feuilles de la même façon. D'accord, ça doit nous donner 4 fois 6 boîtes. D'accord, voilà. Quand on a collé à plat celle-ci, il faut bien, on va mettre de la colle à ce niveau-là et sur la languette. Et là. Je me mets dans l'autre sens, comme ça c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Vous allez me dire, oui, mais au centre, ça ne tient pas. Oui, mais vous allez comprendre pourquoi. Il n'y a pas besoin. On pourrait le faire en double. Hein. On pourrait rajouter un bout de papier. Je vois pas l'intérêt. Vu qu'on va mettre le papier sur autre chose. D'accord, voilà. Donc, nous venons de coller nos 6 boîtes sur nos papiers. Vous faites la même chose 4 fois. Donc, vous allez faire exactement la même chose. Ensuite, vous allez prendre un morceau. Donc là, il va vous falloir 4 feuilles de 18,5 par 19. 18,5 par 19. Et sur les 19, vous allez venir plier à 16. Ça, il faut le faire 4 fois. D'accord? Au dos de ce morceau, on va venir coller un papier déco. Voilà, moi, je l'ai déjà fait. Il fait 18 par 15. Voilà. À l'intérieur de ce morceau, je ne vais pas mettre du papier déco sur l'intérieur parce que ça va venir être collé au centre. D'accord? Comme ceci. Donc, je ne vois pas l'intérêt de mettre du papier. Donc, moi, j'ai mis des bandes de 3 cm par 15,5. D'accord? Et vous allez faire ça sur les quatre côtés. Donc, pour pouvoir, il faut centrer notre boîte. Donc, pour pouvoir le centrer, là, c'est l'équivalent de l'épaisseur d'une boîte. C'est-à-dire que là, vous voyez, quand ça ferme, ça vient à ras, comme ceci. Pour que ça puisse venir à ras. J'ai fait en sorte que ce soit bien droit. D'accord? Donc, voilà. Donc, là, pour que ça soit bien centré, je vais faire un trait à 2,5 à ce niveau ici et là à 16. D'accord? Et je vais venir coller en plein centre mon papier.
Donc, je récapitule. On prend notre papier sur lequel on a collé nos 6 boîtes. On prend le papier de 18,5 par 19. Sur les 19, on a plié à 16. Derrière, on a collé un papier déco de 18 par 15. Et sur l'intérieur, on a collé deux bandes de 3 par, pas par 15, pardon, 15,5. Deux bandes par 3 par 15,5. D'accord? Et là, ma colle, je l'ai pas rebouchée le temps que je parlais au téléphone. Donc, résultat du compte. Voilà. Là, je vais venir mettre de la colle sur tout l'arrière. Alors moi j'utilise de la tachyglue, ça tient super bien. Pas besoin d'en mettre. Vous voyez, je fais en sorte qu'il y en ait sur chaque boîte. Voilà. Pas trop près des bords pour pas que ça dépasse. Tout simplement. Et donc là, je viens centrer. Alors, on va dire à 1 ou 2 mm du pli. Entre les deux petits traits que je viens de mettre, je fais en sorte que ça ne dépasse pas là-haut. Je mets bien droit et j'en colle. Voilà. Donc ben là, je vais mettre ma règle pour appuyer. Voilà. Et ça, vous le faites sur chaque page. Voyez? Voilà. Un coup que ça c'est fait, hop, on remet nos tiroirs. Rien d'exceptionnel. Hein. Alors des fois, si ça coince, c'est parce que là, ça bouge un petit peu. Hein, mais sinon, ça ne devrait pas coincer. Si vous avez fait les mesures, les bonnes mesures, il n'y a pas de raison. Alors, moi, nous, on a fait les boîtes d'allumettes, mais vous auriez pu les acheter toutes faites. Si elles sont plus hautes, les boîtes d'allumettes que vous avez achetées, ou vous faites de la récupération avec de la boîte d'allumettes classique, la distance qui est là, c'est l'épaisseur de votre boîte. D'accord? Voilà, de chaque côté. Donc, j'ai pris la largeur de ma boîte plus deux fois l'épaisseur pour donner. Ça m'a donné la largeur de mon, de mes quatre abats, tout simplement. De façon que quand, vous voyez, ils vont être posés l'un sur l'autre, voilà, ça donne ça quand on va pouvoir les monter. D'accord? Pour le fond. Alors, comme c'est un calendrier de l'Avent, il faut que le fond soit. Soit bien costaud. Donc moi j'ai pris de la cartonnette. Alors j'ai pris une récup de. Vous savez, dans les blocs de papier, des fois vous avez un carton, donc j'ai pris ça. Voilà, donc je l'ai coupé à 18,3 par 18,3 et j'ai coupé une feuille rouge, là, une feuille de papier, à 21 par 21. Rien de plus compliqué. Je vais coller ma cartonnette dessus. Vous allez voir. Un fond rigide en fait. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi je trouve que quand même c'est une boîte où il va y avoir des choses dedans, donc je trouve que c'est quand même plus rigide d'avoir cette boîte faite. Donc pour celles qui savent pas faire, donc bon, voilà. Après on va venir couper en biseau légèrement chaque. Côté. Voilà. Comme ceci. Alors, moi, je vais mettre de la colle sur l'arête, comme ceci. Vous voyez? Comme une couverture d'album, hein, ceci dit. Hein. Alors, ce tuto, là, je ne l'ai vu nulle part. C'est ce matin, je me suis dit, tiens, je mettrais bien ça avec ça, avec ça et avec ça. J'ai déjà vu des boîtes explosion avec des boîtes à l'intérieur, mais pas pour faire un calendrier de l'avant. Alors, peut-être que ça existe, mais les tutos, je ne les ai pas vus jusqu'à présent. Et là, je vais venir rabattre mon papier comme ceci. Et je fais ça
sur les quatre côtés. Simplement. Voilà. Ça sert à rien d'en mettre plus, de toute façon. Voilà. Et ça, c'est ce qui va venir être collé par-dessus après. Donc là, vous allez prendre un morceau de 18,5 par 18,5 que vous allez recouvrir, tout simplement. Cette partie-là va venir se coller sur les côtés-là, à l'extérieur. D'accord? Comme ceci. D'accord? Donc, on va mettre du double face sur notre 4 languettes. Et je viens me mettre à presque à 1 mm du. Mais vraiment 1 mm, hein. C'est pas la peine d'aller à l'autre bout. Hein. Voilà. Et on fait la même chose sur les quatre côtés. On y va. Alors toujours, mes languettes, je les mets par l'intérieur. Vous voyez, je les colle sur l'extérieur parce que je trouve quand même que la boîte, si elle est soutenue par l'extérieur... Alors, vous voyez, je mets ma boîte droite. Je me mets bien droite et je viens me coller comme ceci. Voilà. Je l'ai collé trop près. Ah ah ! J'ai fait une bêtise. J'essaie de ne pas déchirer le papier. Alors, comme tout à l'heure, presque à ras du pli, hein. 1 mm. Pas 2, pas 3, pas 4, au millimètre. Voilà. De toute façon, que quand on appuie, vous voyez, les deux soient comme ceci. De toute façon, elles vont tenir avec le couvercle après, hein, ne vous inquiétez pas. D'accord? Allez, on fait la même chose encore là. Je trouvais ça sympa, l'idée calendrier de l'Avent qui explose. C'est une explosion de joie, de toute façon, Noël. Donc, voilà. Vous avez vu, je mets en place avant de coller. Hein. Donc ça ne se verra pas, bien sûr. On va venir y mettre un papier. Simplement. Donc là, on va faire le couvercle. Et le couvercle et pouf. D'accord. Avant de mettre le couvercle, on va venir coller le papier du fond. C'est celui-ci. Donc hop.
je vais reculer mon papier de fond. Donc, j'ai pris un morceau de 18,3 par 18,3 avec un morceau de papier de 19,8 de 17,8 par 17,8. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être bête de mettre du papier déco dans le fond. Bon, moi, je me dis que non, parce que ça peut être joli. Voilà. Au moins, la boîte, elle est faite. Voilà. Donc, là, on va venir mettre un papier déco. Alors, j'ai même envie de vous dire que, sachant qu'il va y avoir une boîte à l'intérieur, je ne sais pas si je vais mettre un papier déco complet ou si je ne vais pas mettre deux chutes. Une bande là, une bande là, une bande là. Une bande sur... Non, voilà, voilà qui met un papier complet. De toute façon, il faut en mettre un. Donc, on y va. Hop, en avant Guingamp. Je coupe ma feuille. 18 par 18. Voilà. Et je la colle ici. D'accord? Alors, la suite, ça va être simple. On va faire une boîte fixe et une boîte qui s'ouvre. C'est-à-dire une tower box. Je vais vous coller ça. On va mettre la boîte par la suite. D'accord? Là, c'est la boîte qui sera à l'intérieur. Il y aurait encore une boîte à l'intérieur. Là, pour l'instant, on va venir faire le couvercle. J'avais de la colle, là. Du coup, voilà. On va venir faire le couvercle de notre boîte. Alors, le couvercle de notre boîte. Ben, c'est simple, on va prendre les mesures. Bon, normalement, ça fait 18,5. Ça fait 18,5. Pour que ça ferme, mais que ça ne frotte pas. On est d'accord? On va faire notre base. Notre base, va falloir qu'elle fasse 18,5, notre couvercle. Donc, on va prendre du papier et je vais vous montrer comment on va faire le couvercle. Il va nous falloir plusieurs feuilles pour ça. D'accord? Alors, on passe au couvercle, comme je vous disais. Donc, il nous faut un morceau de 18,7 par 18,7. Deux morceaux de 22,7 par 7. Et deux morceaux de 18,7 par 7. D'accord? Jusque-là, rien de compliqué. On est d'accord. Les morceaux de 18,7 par 7, vous allez faire un pli à 2 cm sur les 7 cm. Les morceaux de 22,7 par 7, vous allez faire un pli à 2 cm sur les 22,7, un à gauche, un à droite, et un pli à 2 cm sur les 7 cm. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a un pli à 2 cm en haut, à gauche et à droite, sur les deux morceaux. Ces deux morceaux-là, on va venir couper les languettes, comme ceci. Et oui, on ne peut pas tout faire dans une feuille, parce que pour une simple et bonne raison, que nos feuilles, elles font 30 par 29,7 par 21, et elles ne sont pas assez grandes. Donc moi, pour faire couvercle, j'ai pris une feuille plus la chute de mes 18,7 là. Une chute. Enfin, j'avais une chute, j'ai pris ma chute. Regardez toujours dans vos chutes, hein. Ne faites pas pour faire, reprenez pas forcément une feuille. Des fois, dans les chutes, on arrive bien à prendre ce qu'il y a à prendre. D'accord?
Alors, les deux de 7 par 18, 7, pareil, les deux languettes de 2 cm, hop, on coupe les extrémités en biseau, et voilà. Alors, les extrémités, on va venir coller double face sur les languettes. Du coup, je vais mettre du double face sur les languettes, d'accord. Je le mets à ras du pli parce que c'est pas trop, c'est pas gênant. Et là, on va faire nos rabats de notre couvercle. Notre couvercle va faire 5 cm de rabat. D'accord? Alors, attendez, j'ai écrit sur mon papier pour vous donner les dimensions. Donc, je vais gommer. Alors, pour vous faciliter le travail, là où on a les languettes sur chaque côté, on peut venir déjà y coller nos papiers déco. Parce que comme ça, on est à plat et c'est pas gênant. Mais seulement sur ces morceaux-là. D'accord? Là où il y a les languettes de chaque côté. Alors, faites attention au sens de votre papier. Si vous avez le papier debout, il faut que la languette de celle-ci, elle soit en haut. Hein. D'accord? Alors moi du coup j'ai pris dans les chutes de mon papier de mes bords d'extérieur. Voilà. Et deux autres morceaux, je les collerai après. Alors je vais enlever mon double face. Je vais prendre mes feuilles de 18-7, mes morceaux de 18-7 par 7 cm. J'enlève mon double face et je vais venir en coller comme ceci. À ras du pli. Voilà. Vous voyez, je marque mon pli. Et celui-là, je le mets en face. Ensuite, celui-ci. J'en mets un en haut. Alors, je colle que sur là d'abord, hein, pour commencer, d'accord? Pareil, à ras du pli. Voilà, et je colle l'autre en bas. Torticolis. Pas très agréable. Hop, voilà. J'ai pas bien collé. Voilà. Ensuite, je vais enlever mes rabats. Vous voyez? Je vais venir plier, je vais me mettre à ras du pli et je vais venir en coller comme ceci. Donc j'enlève mon rabat. Alors je marque mon pli déjà. Voilà. J'enlève la protection du double face. Je viens me coller. Je viens me coller à ras et je colle. Comprenez pourquoi, quand on colle sur l'extérieur, pourquoi je ne voulais pas qu'on colle des papiers déco tout de suite dessus. Tout simplement. Voilà, et on a un couvercle de fait. Alors avant de coller mon papier déco, je vais quand même juste vérifier que tout rentre dans ma boîte. Voilà, mon couvercle, il est parfait. Alors, j'ai pas fait attention, j'ai collé deux côtés verts et deux côtés rouges l'un à côté de l'autre. Bon, ben voilà, ça c'est moi. C'est tout moi. Donc, ben là, on va venir coller papier déco sur les côtés et sur le dessus. Pour finir, pour cacher les languettes.
Voilà. Et là, bah, sur le dessus, on va venir coller le papier déco. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas faire un patchwork, moi. Mais j'avais envie. J'aime bien faire des morceaux de bout de papier. Donc, des morceaux de bout de papier. Donc, vous voyez, là, par exemple, je vais couper une languette. Donc, j'aime bien faire des patchwork régulièrement. Et là, ça rentre. Donc, je vais faire un bout comme ça. De toute façon, il viendra de la déco dessus. Hein, donc... Voilà. Petit millimètre là, qui va bien. Un bout comme ça, par exemple, vous voyez, un autre bout comme ça, voilà. Et puis ben là, j'ai envie de vous dire que je vais remettre un bout de haut, haut, haut. Non, un bout de chaussette qui est en dessous. Ben oui. Voyons. Et là, il va me manquer. Donc, vous voyez, moi, j'aime bien faire les patchwork. Après, c'est... 4, 3. Non, je vais enlever les lunettes. Voilà. Allez, je colle. Et on passe à la suite juste après. Alors, on a fini. On a monté nos quatre côtés. D'accord. On en est à ce que ce soit tout lisse comme ça. Donc, soit vous décorez, puis vous en restez là. Et puis, au milieu, là, vous mettez une déco comme un sapin de Noël avec une petite boîte et le cadeau du 25. Soit on continue comme moi j'ai fait. Alors... chaque boîte, donc vous voyez, je vais mettre les numéros et puis je vais mettre une petite carte là comme ceci avec un petit mot et plein de déco dessus. Il n'est pas décoré encore, donc là on va faire les petites cartes que j'ai mis sur chaque côté de façon que on ait quelque chose en volume à ce niveau là, d'accord. Donc pour faire, vous allez voir, j'ai pris les chutes tout simplement. J'ai pris, il y avait, quand on a coupé nos morceaux, quand on a coupé certains morceaux, il y avait des chutes de 11,3 par 21. Donc, je les ai coupées à 11. Voilà, et ça va nous faire notre carte. Alors, vous allez prendre votre morceau de 11 par 21. Donc, 4 fois, on va le faire, hein, la même opération. Donc, il nous faut 4 fois 11 par 21, 8 petits aimants, parce que moi, j'ai aimanté, d'accord. 4 petites étiquettes, 4 morceaux de papier déco de 10 par 10, 4 morceaux de papier déco de 9,5 par 10,5. Et un morceau de papier, 4 morceaux de papier déco au total de 13 par 15, d'accord. Donc, on y va. Sur notre papier rouge, on va faire sur les 21 un pli à 11 cm. Je sais, c'est pas très, c'est pas au même endroit, mais c'est fait exprès. D'accord. Donc, sur ce morceau-là que nous avons à 11 cm, nous allons y faire un pli en diagonale. On va marquer un pli en diagonale. Donc, du haut à droite vers le pli en bas à gauche. Haut à droite, l'extrémité complète, bas à gauche, au niveau du pli de 11. D'accord. Donc, on fait notre pli en diagonale, ce qui va nous permettre, donc on marque le pli, ce qui va nous permettre de faire notre triangle, tout simplement. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Donc, voilà, vous allez prendre votre morceau de 9,5 par 10,5, on va le coller dans le fond. Vous allez voir, en 5 minutes, la petite carte est faite.
Ce qui va vous prendre le plus de temps dans ce calendrier, donc les montages, je vous les fais par, à chaque fois, je vous en fais un pour quatre. Ce qui va vous prendre le plus de temps dans vos montages, c'est tout ce qui est déco. J'avoue que la déco, c'est super long, d'où le fait que je ne la fais pas en caméra, parce que c'est compliqué. En haut, à droite, à l'arrière, par ici, je vais mettre un aimant avec du double face, tout simplement. Je rabats Ah, je l'ai peut-être mis trop bas. Je le mets, on va dire, à 1,5 cm du haut. C'est plus simple. Voilà. Voilà. Et là, je remets mon aimant de l'autre côté. C'est pour pouvoir fermer la carte quand la boîte elle est fermée. Quand elle est ouverte, elle est tenue par la petite étiquette. Mais quand elle est fermée, au moins, elle ne bouge pas. On va prendre notre morceau de 10 par 10 et on va le couper dans la diagonale. Alors, faites attention. Moi, je vous conseille de prendre un papier avec des motifs que vous pouvez mettre dans tous les sens. Ça vous évitera les erreurs de oh, « mince, mon papier n'est pas dans le bon sens ». Mais sinon, mettez votre papier dans le bon sens. Alors, pourquoi pas 10,5 par 10,5? Parce que bah, comme on le coupe par la moitié, il faut que là aussi, il y ait un petit jour. Donc, 10 par 10. Et vous le coupez en diagonale. Et on vient en coller un en haut, par-dessus l'aimant, et un en bas. Vous voyez, faire cette petite carte, c'est tout simple. Ça va donner du volume à vos boîtes sur les côtés avec de la déco qui n'empiétera pas sur le centre que nous allons mettre, c'est-à-dire la tower box. D'accord? On va faire une mini tower box. Après, donc voilà. Je la mets comme ceci. Je prends une étiquette avec un petit sentiment dessus. Donc, moi, j'ai marqué « Beau petit Noël hein, hein, ». D'accord, j'ai utilisé un tampon de la collection Stampin' Up Calin Douillet. Voilà. Donc, j'ai utilisé mon beau petit Noël. Et voilà. Et du coup, quand ça va faire une butée, et vous ne serez pas embêté. D'accord, pour le fermer comme ceci. Ensuite, vous prenez votre calendrier. Alors moi j'ai alterné, j'ai pas forcément mis, vous voyez, hop, il y en a un dans ce sens-là. Il y en a un face à celui-là. Donc là, celui-là, il est par là, parce que j'avais envie. Hop, donc quand je vais le tourner, je me dis que celui-ci, je vais mettre mon papier déco là. Et je vais faire en sorte que mon pli. Il soit dans le même sens que celui-ci. Tout simplement. Voilà. Donc, je vais le coller comme ceci. D'accord? Donc, bah là, je colle mon papier déco. Mon 13 par 15. Sur le PDF que j'ai fait, qui est disponible sur le groupe L'Amour du Scrap, à prendre avec plaisir, ou en MP sur mon Messenger, L'Amour du Scrap ou Gen Création, vous pouvez me le demander, je vous le donnerai. Il n'y a aucun problème. Il y a un tutoriel PDF qui est super long parce que ben, ça prend du temps à tout refaire correctement. Mais il y a tout qui est repris, les mesures, tout. Et là, ben, vous le centrez. Tout simplement. Voilà. Et là, bah, vous collez vos petites étiquettes. Donc, soit vous les mélangez, soit vous les mélangez pas. Vous faites comme vous voulez. Moi, je ne les ai pas mélangées. Je les ai mis dans l'ordre. Donc, chaque petite boîte devant. Alors, moi, je les ai mis dessus. D'accord. Mais c'est mon choix. Vous pouvez très bien les mettre aussi sur le devant de votre tiroir. Mais je trouve pas ça très pratique. Au moins, vu du dessus, on voit où sont les petites boîtes. Après, c'est à vous de vous adapter par rapport à ce que vous voulez mettre. D'accord? Alors, moi, j'ai utilisé un bloc de papier déco
qui a plusieurs papiers déco différents. Je n'ai pas voulu utiliser toujours la même feuille, parce que c'est un choix personnel. Je n'ai pas doublé non plus les couleurs. Voilà, je n'avais pas envie. Et voilà. Donc, après, chacun fait midi à sa porte. D'accord. Et au niveau des couleurs et des décos, chacun, là, il est très traditionnel. Donc, quand on le referme, il suffit d'eux. Et pourquoi l'aimant? Bah, parce que comme ça, quand il est fermé, la petite carte, elle ne bouge pas. D'accord. Là, on va venir faire la boîte qui va au milieu. Vous allez voir, la boîte, elle ne touchera pas aux extrémités de façon qu'on puisse mettre de la déco sur les cartes. C'est prévu. Hein, parce qu'il n'est pas question qu'on mette de la déco sur les cartes, qu'on mette pas de déco. Donc, selon le volume qu'on y met, voilà. Donc là, on va faire une boîte à l'intérieur, sachant que, vous voyez, d'une boîte à l'autre, il y a un écart de 13,5. Moi, je vais faire des boîtes de 11 par 11, là. D'accord? Donc, on y va. On fait les boîtes de l'intérieur. Allez, on passe à la suite. Le centre de la boîte de notre calendrier de l'Avent qui explose, c'est trois boîtes. Vous vous rappelez dans le modèle de présentation. Donc, c'est trois boîtes, dont une qui explose à l'intérieur et qui se tourne, qui s'appelle une Tower Box. Donc, on va faire notre première boîte pour la Tower Box. Pour la première boîte, il nous faut un morceau de 17,2 par 17,2. Il nous faut deux fois 15 par 15. Il nous faut une fois 11 par 24 et une fois 11 par 15. On va juste préparer, parce que vous allez voir, nous n'allons rien couper, à part le couvercle. Nous n'allons rien coller pour le départ. Nous allons simplement mettre en forme. Alors, le couvercle, on va prendre le morceau de 17,2 par 17,2 et on va faire des plis à 3 cm de chaque côté. Vous voyez les petits plis. Là, sur les côtés, on retrouve 4 petits carrés. Donc, ces petits carrés, je vais couper en languettes les 4 morceaux de la même façon. Voilà, je coupe droit sur le bout, vous voyez. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, bien évidemment, nous, là, on va faire un centre avec une Tower Box. Si vous n'aviez pas voulu faire la Tower Box et juste mettre un petit cadeau au milieu, vous pouviez. Il n'y avait pas de souci. Mais je trouve que ça rajoute un petit plus à notre calendrier de l'Avent. Et c'est une technique supplémentaire qui est très, très sympathique. Alors, pourquoi 17,2? Parce que au centre de la boîte, il y a 2 mm en plus pour que le couvercle puisse se mettre sur la boîte, tout simplement. Donc voilà, là je monte mon couvercle. Et on va faire exactement avec la boîte numéro 3. On va faire la 1 et la 3 en même temps. Je vais vous donner aussi les dimensions de la 3 après. On va laisser sécher. Il ne nous restera plus qu'à faire la décoration après. Ça, je le ferai hors caméra. Vous avez l'habitude. Voilà. On continue. On prend notre morceau de 11 par 24. On va venir faire un pli à 11 sur les 24 cm. Vous voyez, là, rien de compliqué. Vous allez prendre votre morceau de 11 par 15. Sur les 15, vous allez venir faire un pli à 2 cm sur le bas. Et vous allez marquer les plis, comme ceci. 11 par 15, un pli à 2 cm. Et ce morceau va venir se mettre ici. Donc là, on va l'encoller. Alors, je le colle par le dessous. Je ne le colle pas par le dessus. Donc, je prends ma languette, je viens l'insérer et je colle par le dessous. Alors, je n'ai pas utilisé de feuille 30 par 30, je n'ai utilisé que de la feuille A4 pour une bonne et simple bonne raison, c'est que nos feuilles, elles étaient trop grandes pour avoir nos boîtes.
vu que le haut fait 13 cm et que là fait 11, de toute façon, il fallait obligatoirement que l'on prenne des feuilles, plus de feuilles pour pouvoir le faire. On va prendre nos 2 fois 15 par 15. Sur nos 2 fois 15 par 15, on va venir faire un pli. Je vais vous montrer avec la règle. À 2 cm. Vous voyez. 2 cm à gauche, 2 cm à droite et 2 cm en bas. Voilà, ça donne ça. On a fait un pli 2 en bas, 2 à gauche, 2 à droite. Alors pareil, ben là on va venir couper les languettes comme ceci. Et on fait ça sur les 2 morceaux. Vous allez voir, le principe de la Tower Box, il est rigolo. Et finalement, le montage, on se dit, oh là là, mon Dieu, c'est super compliqué. Et non, c'est super simple. Vous allez voir. Alors, moi, je vais tout de suite coller les 2 morceaux qui vont comme ceci. Mais à aucun moment, je vais coller cela. Je vais les préparer. Donc, je colle les premiers déjà. Ah, je mets de la colle. Je mets du double face sur chaque languette, bien évidemment. Voilà. Et votre calendrier de l'Avent, eh ben, il va pouvoir servir de centre de table à Noël après. Vous allez voir. Hop. Je colle là. À ras du pli, hein, bien sûr. Par le dessous, toujours. Et voilà. Et là, je marque mes plis, mais je ne défais pas mes morceaux. Quand on viendra les coller, bien sûr, on viendra les coller comme ceci. D'accord? Voilà. Par l'extérieur. Mais pour le moment, on ne les colle pas. Donc, on a notre boîte 1 qui est en préparation. On va faire exactement la même chose avec la boîte 3. Pour la boîte 3. Oui, il y a la boîte 2 entre les deux, mais on la fera après. C'est pas logique, mais c'est comme ça. La boîte 1 et la boîte 3, c'est exactement le même montage, mais avec des tailles différentes. Pour le couvercle de la boîte 3, il nous faudra un morceau de 16,2 par 16,2. Et on va faire des plis à 3 sur chaque côté. D'accord? Donc 16,2 par 16,2. Hop. Donc comme tout à l'heure, même principe. Si vous trouvez les languettes un peu grandes, ben, vous les recoupez un peu. Moi, je le fais toujours selon la taille de ma languette et de ma boîte. Voilà. Donc, c'est le même principe que la première boîte. Hein. Donc, 16,2 par 16,2 avec pli à 3 de chaque côté. Je fais bien attention de mettre mes languettes sur les mêmes côtés. Hop, je vais monter mon couvercle. Alors pareil, je colle vers l'extérieur, mets mon couvercle. Toujours. Comme ça, quand je vais venir coller mon papier, déjà, ça englobe la boîte. Et quand on met dans la... Quand on ferme le couvercle, ça ne gêne pas. Et sur l'extérieur, on peut cacher avec le papier déco. C'est ça qui est merveilleux. Ça, c'est le principe d'une boîte explosion. Hein. On va faire le couvercle. Hein. Voilà. On met des petites pinces si vous voulez. Moi, j'en mets pas parce que je sais que ça va tenir dans les 30 secondes. Voilà. Ensuite, nous allons prendre une fois 20 par 10. Et au 20 par 10, on va plier à 10 sur les 20.
On va prendre une autre fois 10 par 12 cm et on va faire un pli à 2 cm sur les 12 cm. Voilà, on va venir mettre une languette sur le bas. Tout simplement, et on colle sur le bas de notre morceau. Après, nous avons deux morceaux de 12 par 13 cm. Sur les 12 cm, vous allez venir faire un pli à 2 cm sur le bas. Et sur les 13 cm, en fait, moi, j'ai utilisé des chutes, donc c'est pour ça que ça fait 13 cm. C'est pour éviter de recouper du papier. J'ai fait des plis à 1,5 de chaque côté. Voilà. C'est parce que j'ai utilisé mes chutes. D'où le fait que les plis de chaque côté sont plus petits. Mais 1,5, c'est convenable pour pouvoir coller la boîte. Hein. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc, deux morceaux de 12 par 13 cm. Un pli à 1,5 de chaque côté sur les 13 et un pli à 12, à 2 cm sur les 12. Voilà. Et je mets du double face à l'intérieur de mes languettes. Tout simplement. Et là, contrairement à la boîte 1, on va pouvoir la fermer. Alors, moi, je vais la fermer. Si vous avez envie de mettre du papier déco à l'intérieur, faites-le avant de fermer. Moi, je n'en mettrai pas. Donc, je vais fermer tout de suite. Mais sachez-le que si vous avez envie de la mettre à l'intérieur, il faut peut-être mettre le papier déco avant de fermer. Et là, dans cette boîte-là, il y aura notre cadeau du 25. J'ai oublié de marquer mon pli, alors je vais être encore coincée. Alors, je le fais d'un côté, je le fais de l'autre, bien sûr. Une équipe qui gagne. Là, je me suis trompée de quelques millimètres. Et voilà. J'ai dû couper, coller un papier. Des fois, je suis un peu nounouille. Bon, c'est pas très très grave. Je vais. Les mesures sont bonnes. Hein. C'est juste moi qui me suis plantée dans mon pli. Donc, bon, c'est pas très très grave. Parce que je vais. Arranger le problème. Voilà. Les mesures sont bonnes. Et voilà. Donc, ça, c'est votre boîte du milieu. J'ai plus que à la décorer sur l'extérieur. Vous voyez? Donc celle-là, on la garde de côté. On va faire notre boîte du centre, donc la boîte numéro 2. La boîte numéro 2, pour la faire, il nous faut 3 fois 10,5 par 14,5 et 1 fois 23 par 10,5. Et dessus, vous allez venir coller des morceaux de papier de chaque côté. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est la seule qu'il faut décorer avant de pouvoir faire le montage. Sur le morceau de 23 par 10,5, vous allez venir faire un pli à 10,5 sur les 23. Donc là, vous allez coller un morceau de
10 par 10 au niveau du fond. Et là, sur l'intérieur et l'extérieur de la languette, vous allez venir coller un morceau de papier de 12 par 10 cm. D'accord? Donc ça, c'est sur le grand face cachée, enfin face extérieure, face intérieure. À l'intérieur, un morceau de 10 par 10. Après, il va vous falloir trois morceaux. De 10,5 par 14,5. Sur les 14,5, vous allez venir faire un pli à 2 cm et vous allez marquer les languettes comme ceci. Je trouvais ma languette vachement grande, mais c'est que j'ai dû prendre une chute et que j'ai pas dû recouper la languette, tout simplement. Voilà. Donc 10,5 par 10,5 par 14,5 et sur les 14,5, vous venez faire un pli à 12,5. D'accord? Tout simplement. Ensuite, sur chaque languette, vous allez venir y mettre du double face à l'intérieur toujours de la languette. Alors, vous avez vu, moi, j'ai fait en sorte que mon papier interne soit le même partout. Et on va venir coller notre papier déco de chaque côté. Alors ça, je vous le dis, hein, faites-le avant le papier déco là, de chaque côté, faites-le avant de monter, de faire le montage. C'est notre boîte qui explose. Alors moi, pour fermer le fond là, parce que même si ça ne se voit pas, je veux le consolider parce que ben ça permet aux languettes hein, de bien coller. Je vais rajouter un morceau de papier. Bon, je vais me prendre une chute si j'en trouve une. Qu'est-ce qu'il me reste? La chute rouge. Oui. Voilà. Moi, dans mes chutes, j'ai toujours des chutes. Vous voyez, je garde des chutes. Donc, on sait que le fond fait 10,5 par 10,5. Je vais me faire un fond de 10 par 10. Et je vais venir tout simplement consolider le fond. Voilà. De façon que les languettes, elles tiennent. Même si ça ne serait pas nécessaire, mais au moins, ça permet aux languettes de rester en place, sachant que... Alors, n'utilisez pas du papier déco. Hein. Un bout de chute de papier, ça suffit amplement. C'est vraiment pour... pour faire tenir. Alors, moi j'ai fait une petite bêtise avant de monter ma boîte. Quand j'ai collé mes papiers déco, donc je suis en train d'y penser maintenant. Il aurait fallu que vous colliez deux petits bouts de ruban là, à ce niveau-là de chaque côté. Alors, comme moi je ne vais pas le faire.
parce que ça va être joli, parce que je vais le faire par l'extérieur. C'est pas gênant. Je vais le coller par le centre. Mais là, juste une petite languette que vous auriez coupé, deux petits morceaux de ruban comme ça, et que vous auriez collé en dessous votre papier déco, aurait suffi. Il faut que ce soit juste sur les deux morceaux de chaque côté. Bon, moi, je ne peux pas le remettre là, parce que si je le fais dessus, ça ne va pas être top top. Sauf si... Ah, si, si. Je vais le faire dessus, c'est pas grave. Je vais refaire une petite déco. Je vais refaire une déco à ma façon. Je sais comment je vais faire. Hop. Donc là, on va remettre. Donc là, vous prenez deux morceaux. Deux. Bon, vous, vous prenez en ruban, hein. 12 par 12. Voilà. C'est l'histoire d'avoir deux languettes. Là, moi, je vais venir y coller une déco. C'est pas gênant. Mais vous la collez entre le papier déco et votre papier, j'ai voulu aller vite, vous voyez, puis j'aurais pas dû, parce que j'en ai oublié de coller mon ruban. Donc c'est pas grave, je vais me faire une double déco, vous savez bien. Moi et mes doubles déco. Hop, un autre morceau de 12, 12 par 12, donc là bien en face, au centre. Et vous les mettez avant de coller votre papier déco. C'est important. Je l'oubliais, moi. Alors ça, sur les vidéos Towerbox de base, vous n'en trouverez pas. Vous ne trouverez pas de mettre ça, les petits rubans. Ça, je le mets. Je remettrai un bout de déco après. C'est pas... S'il faut que je le fasse tout de suite, parce que sinon, je ne pourrais pas le faire après. Donc, je suis désolée. On va prendre 2 minutes pour refaire. Est-ce que, si je remettais une petite languette par-dessus de papier comme ça avec du rouge, oui, comme si je faisais une botte. Alors, on a dit que ça faisait 10,5. Hop, voyez, papier de ma chute. Dans ce sens-là. Hop, là, je vais faire sur 3 cm. Et pour pas faire moche, je vais le faire sur mes 4. Deux. Oui, parce que comme ça permet moi de voyez, il y a que ceux qui font rien qui ne se trompent jamais. Vous voyez, ben, vous avez la preuve par A plus B que ben, moi aussi je peux me tromper. Alors 10. Et donc comme j'ai mis 3, je vais mettre 2,5. Deux. Ça va assez vite fait. Ça va pas trop nous prendre de temps sur la vidéo. Je suis désolée. Ça, c'est des choses qui... qui arrivent. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors oui, je remets du double face parce que comme je l'ai collé sur du ruban, je veux que ça tienne. Et c'est important de faire votre décoration avant le montage. Pour cette partie-là.
Là, je l'avais mis à ras, mais bon, c'est pas très très grave. Donc voilà. Je sais pas si je vais pas du coup en mettre sur les 4. Je suis désolée. Hop. On va accélérer le mouvement pour pouvoir passer au montage de la tower. Vous allez voir. Voilà. Maintenant que je suis en train de coller mes deux petits morceaux là, vous allez prendre deux languettes, parce qu'il va nous falloir deux languettes. Une et deux. Deux languettes qui font 21 par 1,5. Important, on va prendre les deux languettes. Ça, vous avez le temps de les couper, le temps que... Et voilà, je l'ai collé, j'ai réparé ma bêtise, voilà. Donc, deux languettes de 1,5 par 21. Donc, notre boîte, la deuxième boîte, elle est faite. On fait le récapitulatif. On a fait la boîte 1. Ça, c'est la boîte 2. Et ça, c'est la boîte 3. D'accord? Je vais venir être juste au milieu. Voilà. Alors, en fait, j'ai collé un papier décollant, mais ça n'aurait pas été utile. Voilà. On va faire le montage. Il nous faut... Je pose ma boîte 2. Voilà. Deux languettes, comme je vous disais, de 1,5 par 21. Vous allez faire sur les 21 un pli à 10,5 bien au centre. Voilà. Et vous allez faire un pli de 4 cm sur chaque côté. Alors, selon la grandeur des boîtes, il faut que au centre, là, entre les plis des deux plis de 4 cm, il faut que vous ayez la hauteur de votre boîte du dessous. Donc, moi, je rajoute toujours 4 cm en languette ou 2 selon la taille de la boîte. Ça, c'est pour coller. Et au centre, c'est la hauteur de votre boîte, tout simplement. Donc là, elle fait 13 cm. Donc, j'ai fait en sorte qu'il y ait 13 cm au centre. Vous voyez? Donc là, c'est un morceau de 21 que j'ai divisé en deux pour pouvoir avoir un pli au milieu. Parce qu'au milieu, il faut qu'il y ait un pli pour qu'on puisse faire un Z comme ceci. Voilà. Et la même chose sur l'autre. Donc, ça fait 21 par 1,5. Sur chaque côté, on a fait un pli à 4 cm et un pli à 10,5 au centre. De toute façon, peu importe la longueur, quand vous avez une hauteur, vous prenez votre hauteur et vous rajoutez 2 à 4 cm de languette selon si vous pour attacher. D'accord? Et sachez que à cette longueur, il faut que vous rajoutiez. Alors on va partir sur ça. Moi, j'ai fait 4 cm de languette. Donc, j'ai 8 cm de languette. Sur ces 8 cm de languette, j'ai rajouté la hauteur de ma boîte. Donc, 13 cm. 8 plus 13 est égal à 21. C'est 21. Je le divise en deux dans un premier temps. Et après, de chaque côté, je plie ma languette. 4 cm. D'accord? C'est l'ensuite. On va venir mettre du double face sur les côtés extérieurs de nos languettes. Peu importe la taille de votre boîte, hein, vous avez compris, le montage, à chaque fois que vous ferez une tower, si vous voulez faire des multi-étages, parce qu'on peut en faire hein, à l'infini, sachez que le ressort, parce que c'est ce qui va nous servir de ressort, est égal à la hauteur plus les bouts de languette de votre boîte. Voilà. Donc, je plie ma languette. Comme ceci, j'ai mis du double face de chaque côté.
Je vais venir en coller une là, en diagonale au centre, comme ceci. Et l'autre, elle va venir en face, comme ceci. Alors, je la mets en face en décalé, hein, vous voyez, pour qu'elle soit... Donc là, je la mets à peu près à 0,5 de chaque côté. Et là, je fais la même. Voilà. Et là, ça fait des ressorts. Sur ces ressorts, et d'où le fait qu'on ne pouvait pas monter la boîte, comprenez? Parce que sinon, ça, pour le coller, après, c'est juste un peu compliqué. Vous allez venir prendre votre boîte à explosion. Et vous allez venir. Et c'est là toute la délicatesse qu'il faut faire. Il faut prendre. Alors, moi, je fais ça comme ça, regardez. Parce que ça, on peut l'enlever au dernier moment. Voilà. Vous allez venir cintrer votre boîte qui explose bien, bien, bien au centre. Voilà. Et vous la collez. Vous voyez, elle est collée par le dessous. D'accord? Voilà. Ensuite, vous allez venir coller votre boîte au centre, mais c'est ensuite, d'accord? Déjà, on va faire le montage de notre boîte. Un coup que vous avez collé votre ressort là, mais il faut qu'on monte la boîte. Alors, pour monter la boîte, il faut bien marquer vos plis. Parce que la boîte, elle est celle qui est entre le... Elle est de 0,5 plus petite que celle qu'on vient de mettre. D'accord? Vous voyez, comme cela. Donc là, je monte ma grande boîte autour. Alors, du coup, cette boîte, vous pouvez la... Je pense que je referai un tuto sur la Tower Box, mais sur une Tower Box entière. Mais sinon, allez sur le tuto de Miss Scrap. Elle en a fait une et franchement, sa Tower Box, c'est magique. Elle est juste magique. Et il y a aussi... une personne qui a fait une tower box pour Noël et qui a fait son centre de table comme ceci. Et, je trouve ça génial. Donc, vous voyez, là, j'ai monté ma boîte. Hop, mon couvercle qui vient par-dessus. D'accord? On n'a plus qu'à décorer. Pourquoi je vous ai demandé de mettre des petites machines? Parce que, regardez, quand on tire, hop, voilà. Et là, pour que ça tienne, hop, on la met comme ça. Si on la tourne légèrement décalée. Et voilà. Ça permet d'avoir une boîte qui tient. Quand on la tient, quand on la met en décalé. Tout simplement. Et là, on va venir coller au centre notre boîte où il y aura le cadeau. Alors, j'ai essayé, j'ai décoré mes boîtes, donc on va monter la boîte dans l'autre boîte. Donc, quand on a décoré, ça donne ça, vous voyez, donc là, hop, il y a juste à tourner légèrement d'un quart de tour, même pas un quart de tour, ça permet de tenir. Et donc, celle-ci, on va venir la coller en plein centre, d'accord? Donc, on va bien, bien la centrer. Donc, pour la coller, moi, je vais y aller au double face. Même pas. Je ne vais pas y aller au double face, je vais y aller à la colle à chaud. Parce que je trouve que du coup, ça va permettre de bien consolider la partie dont on a besoin. Et ça va être vachement pratique. Je vais mettre un peu de colle. On y va. Alors, je ne sais pas si vous allez voir ce que je vais faire. Parce que du coup.
Parce que mon pistolet a un peu froid. Pour un pistolet à chaud, il a un peu froid. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, mon pistolet est fin, donc du coup, ça va pas me faire des gros pâtés. Et je vais vraiment venir coller ma boîte au centre. Il faut vraiment bien la centrer. Hein. Voilà. De toute façon, que quand elle rentre, je vais venir faire comme ça pour la coller. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Et là, hop! Je pourrais mettre mon petit cadeau dedans. D'accord? Voilà. Je la range. Il suffit juste de la tourner et de la réinsérer. Tout simplement. Si mon papier veut bien se donner la peine de ne pas coincer. Voilà. Et ça, on va venir recoller à l'intérieur de notre calendrier de l'avant. Je reprends mon calendrier de l'avant qui est à l'intérieur et je vais venir le coller. Alors, je ne peux pas le coller comme ça, parce que vous imaginez bien que donc je vais le coller bien au centre de façon que ça ne gêne pas. D'accord? Là, je pense que je vais coller un petit peu de papier déco pour que ça fasse joli quand on ouvre la boîte. Donc là, bah, je vais y mettre du double face. Il ne faut pas exagérer non plus. La boîte ne va pas se sauver. J'ai un super appareil pour enlever le scotch et je ne l'utilise pas. Ah, attendez, j'enlève tous mes doubles faces du fond de ma boîte. Je vais enlever le couvercle de ma boîte. Et là, je viens me centrer. Tout simplement. Ouvert. Alors, ça va être compliqué pour vous faire une vidéo toute simple, mais voilà. Ouvert, ça donne ça. Il reste plus qu'à le 25, hein, on l'ouvre comme ça. Parce que pendant tout le mois de décembre, elle reste. Moi, j'ai mes rebords là, que j'ai fait ma bêtise là, qui coince un peu quand je ferme. Voilà. Et voilà, il ne reste plus qu'à décorer notre boîte et à la remplir. Voilà, j'espère, vous pouvez retrouver le... Alors, vous verrez
la boîte décorée finie au tout début de la vidéo, parce que je fais un montage et donc du coup vous allez quand même l'avoir finie, elle sera au début. Et sinon vous retrouverez toutes les photos de cette boîte sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir. Il y aura un PDF aussi sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir. Vous pouvez retrouver aussi mes photos sur L'amour du scrap, tout simplement me contacter sur L'amour du scrap sur Facebook, il n'y a aucun problème. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en MP ou mettre un petit commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, j'ai été ravie de vous présenter ce petit projet pour les fêtes de fin d'année. Car oui, Noël va approcher très très vite. On nous sommes à 3 mois de Noël. Je sais très bien que beaucoup vont se dire « Oh là 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 là, c'est bientôt pour faire un calendrier d'avant. » Oui, je sais, mais il faut du temps pour tout faire. Donc, quand on en a plusieurs à faire et plusieurs à vous présenter, eh bien, on commence dès le début octobre. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye !